Hello tout le monde, c'est T6 et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur YouTube dans laquelle je vais vous montrer comment répondre aux commentaires que laissent les internautes sur vos vidéos et y répondre beaucoup plus facilement qu'en allant ici, là aussi, ici souvent on a des commentaires, on clique dessus, on répond ou sinon sur Gmail, etc. Mais il y a vraiment une méthode beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple et puis voilà. Donc, je fais aussi une petite info sur YouTube, sur comment va devenir YouTube à partir de l'année prochaine. Je vous en parler tout simplement à la fin de la vidéo. Tout simplement, voilà. Donc, on va commencer de suite déjà pour les commentaires. Alors, déjà, pour répondre aux commentaires plus facilement, vous allez tout simplement cliquer sur votre avatar. Vous cliquez sur Creator Audio, Studio, pardon. Ensuite, vous allez sur. Cliquez sur communauté. En fait, et maintenant, sérieux, toutes les semaines, ils changent chaque fois des choses, hein, YouTube. Ah, c'est pas croyable. Donc voilà. Là, vous êtes sur commentaires publiés. Ben, c'est là, vous ne touchez plus à rien. C'est tout simplement ici. D'accord? Voilà. Donc, pourquoi je dis que c'est plus facile? Parce que c'est vraiment le plus simple, hein. Donc, vous pouvez même choisir. Vous pouvez donc soit y répondre directement ici. Donc vous cliquez sur répondre, vous répondez, ça répond directement à la vidéo en question. Et si vous voulez pas que ce soit toutes les vidéos, parce que si c'est toutes les vidéos, vous aurez pas mal de commentaires à répondre. Alors comme vous pouvez voir ici, donc il a tout à fait raison, je lui donne un 200 sur 200 sur ce qu'il vient de dire, je suis 200% d'accord avec lui. Donc bah, là, malheureusement, j'ai pas pu répondre à son commentaire. Parfois, on peut pas répondre. Donc, si je vous réponds pas, alors que vous me dites tu fais des super vidéos, etc., c'est pas que je me sens beaucoup plus supérieur à vous ou que je me la pète. C'est que tout simplement, je ne peux pas répondre. Vous voyez, parfois, je peux pas répondre aux commentaires. Voilà. Donc, et puis ça prend du temps. Ah, ça est arrivé à 18h. J'ai pas vu mes commentaires à 18h. Donc, voilà. Donc, sur ce, voilà. Donc, là, vous pouvez vraiment répondre à tout. Tout simplement, vous répondre à tout. Donc vous pouvez avoir beaucoup de questions, beaucoup de choses ou pas. Donc comme vous voyez, moi j'ai beaucoup de questions sur ces vidéos-là. Enfin beaucoup de commentaires. Alors si vous voulez que ce soit une vidéo spécialisée sur une vidéo spéciale, vous cliquez tout simplement sur la vidéo que vous voulez. Là, par exemple, je vais cliquer aller sur cette vidéo, désactiver la barre des charmes. Donc quand je clique dessus, ça charge et voilà, ça m'affiche uniquement les commentaires de cette vidéo, donc c'est encore aussi plus pratique, hein. Voilà, c'est vraiment plus pratique. Là, vous répondez à tous les commentaires, vous voulez, voilà, vous répondez vraiment à tout, voilà, tout simplement, voilà, et puis c'est tout. Donc, écoutez, aussi, il y a autre chose que je voudrais vous dire, c'est dans les spams, quand vous avez des spams, approuvez-les, c'est-à-dire que vous aurez souvent des commentaires avec un truc à cocher, une case à cocher, vous cochez, vous faites approuver tout simplement parce que plus il y a de commentaires dans vos vidéos, plus ils sont mis en valeur sur YouTube, plus ils apparaissent mieux, etc. Tout simplement. Alors, ça, c'est fini pour le tuto, mais là je vais vous parler d'une chose sur YouTube qui va changer complètement. Normalement, à partir de l'année prochaine, ou plutôt, je sais pas trop, mais normalement, à partir de l'année prochaine, YouTube fera un compte premium, c'est-à-dire que c'est comme les sites qu'on télécharge gratuitement ou les films, etc. Vous aurez un free et un premium, un peu comme, voilà, comme je viens de dire, les sites de téléchargement de films. Et donc, le premium, qu'est-ce qu'il contiendra? Il contiendra tout simplement des vidéos que vous pourrez regarder, hein, sans avoir internet. Puis quand vous voulez. Ou aussi, hein, vous pourrez regarder des vidéos sans publicité. Donc voilà, c'est la version premium, ce sera environ, je crois, 10 $ par mois, ce qui fait environ 4 € et quelques, ce qui est pas beaucoup, beaucoup, mais bon, en sachant que c'était gratuit avant, enfin, ce sera toujours normalement gratuit, hein, sauf qu'il y aura des trucs en plus sur la version premium. Je crois que personne ne va la prendre. Hein. Et puis, bien entendu, les youtubeurs maintenant, bah, peuvent rendre leurs abonnements payants. Voilà, ce que je trouve totalement débile. Après, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voilà, les youtubeurs, j'ai l'impression que YouTube veut que maintenant, YouTube devienne un. Ok, il y a des chaînes, comme si c'était des chaînes de télévision. Ils prennent ça vraiment. Voilà, moi, pour moi, c'est des. Enfin, moi, je prends ça comme ça. On fait des vidéos parce que ça nous plaît, on veut faire partager notre passion.
Ok, c'est des chaînes, c'est des chaînes YouTube, parce que c'est des chaînes comme des chaînes de télé, il faut que ce soit parfait, faut pas avoir droit à l'erreur, hein, souvent, c'est ça en fait, hein. Pour pas être critiqué, faut pas être dans l'erreur, faut persécuter, faut trouver la chose parfaite, faut que les gens soient conquis, voilà, tout simplement, et s'ils sont pas conquis, ben ils viennent pas sur votre chaîne, voilà. Donc, voilà, les abonnements payants, c'est nul. Mais les abonnements payants, c'est depuis peut-être quelques mois. Et ça se trouve que ce sera bientôt pas le choix. Bientôt, ça se trouve tout le monde, il va falloir payer pour s'abonner à des chaînes. Tout simplement, il faudra payer par mois, etc. Enfin, je crois, après, je sais pas ça pour ça. Mais en tout cas, pour ce qui est des musiques, normalement, c'est approuvé. Normalement, c'est une info officielle. Normalement, c'est bon. Voilà. Donc, si cette vidéo entière t'a plu, bah, tu peux commenter, liker, partager. T'abonner à ma chaîne, petit poulet. Et voilà, donc je te dis à plus tard. Et je te dis donc à plus tard pour une prochaine vidéo gaming ou alors un tutoriel. Voilà, allez, salut!